De la houle en légère baisse et du vent side offshore entre midi et deux sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a une superbe mi-journée dégagée, belle lumière, une température extérieure qui relevait à 18, une température de l'eau qui relevait à 14, à peine 15, ça pèle. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 20. Nous sommes sur une marée qui est actuellement en train de monter. Le plein haut est à 16h30 avec des coefficients de 82. Et sur cette remontante, le vent se renforce avec un secteur nord-nord-est. Il est modéré à soutenu. Il y a trois beaux forts établis, des rafales à 4. Le plan d'eau est ridé au bord. Clapot, apparition de petites moutonneries sur le large. Les phases de vagues sont ridées à lisse. Là où les Mokepec moyenne à longue, 9 à 10 secondes de période, orientée nord-ouest à ouest-nord-ouest. Elle roucoule maintenant sur la Bouard, Cachon-Gascogne à 1,46 secondes. Et c'est en légère baisse par rapport à ce matin en taille de vague. Il y a 50 à 80 cm en déferlement régulier. Et 1 mètre au série, il n'y a pas plus que ça. Hauteur de poitrine. Donc, bon, il y a des bouts, il y a de quoi glisser. Il y a des vagues un peu au large, mais la marée monte, alors c'est de moins en moins bon. Ça se passe plutôt au bord, avec des vagues qui sont un peu plus creuses, un peu rapides, un peu fermantes. Il y a d'autres spots qui s'en tirent un peu mieux que d'autres. Bon, c'est pas fou, hein. C'est multipique. Un peu fuyant, un peu agité, side offshore. Bon, il y a quelques bouts sur les meilleurs endroits, avec une barre qui est facile à franchir, des vagues qui sont pratiques pour tout le monde. Ça surf, là vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques personnes au large, mais là au fur et à mesure que la marée monte, les surfeurs se rapprochent du bord. Et bon, il y a des vagues au bord, un peu multipiques, un peu désordonnées, bon, c'est pas fou. Nul, il y a quelques bouts à attraper, c'est une histoire de bout. Et voilà, même les stagiaires arrivent à passer la barre, donc c'est pas très bon. L'évolution pour le reste de la journée, un train de houle qui va rester stationnaire maintenant, la Bouard Cachon-Gascogne. Stationne dans les 1,50 m, 6 à 7 secondes de période. Donc ça va à peu près, ça va rester pareil en taille. Pour ce qui est du vent, c'est du vent de nord qui va se renforcer de manière soutenue cet après-midi. Et donc les prévisions à 17h, c'est 1 mètre ou nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 à 10 secondes de période. Vent de nord, 5 beaufort. Ça restera praticable hein, avec le vent de très nord, les phases de vagues resteront préservé par effet de marée haute, les vagues au bord seront un peu plus abritées du vent, mais quand même ça sera multipique, ça sera quand même désordonné, assez mou, pas terrible quoi. Meilleur créneau c'était ce matin, là ce midi il y a encore des bouts, cet après-midi ça sera moins fun. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. La bonne journée.